Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, j'enregistre carrément à part pour YouTube. Ça sera de bien meilleure qualité que récupérer la vidéo qui a été faite sur Twitch. Ah, ça. Donc, 10 et j'en ai quelques autres après. Donc, les amis, on va ouvrir du style de combat. Et nous sommes en présence de Bytel qui est avec nous sur TeamSpeak. Vous voyez le chat avec des petits drapeaux et tout, ça commence à être présent. Non, c'est beau, ça. C'est Et on va ouvrir donc du style de combat. C'est on ça. Parlait de cette série juste avant, on va refaire un récap. Série pas très aimée, voire la moins aimée. De épée bouclier, c'est clairement la moins aimée. Il y a trois alternatives. Taux de drop misérable, vraiment, je pense qu'on peut le dire. Là, dites-vous qu'on a 10 boosters, c'est possible qu'on ait rien, mais littéralement rien, parce que c'est très très dur style de combat. C'est le moins aimé, c'est aussi le moins cher et le plus facilement trouvable. Donc, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est que ça a été fait vendredi. Là. Néanmoins, sachez que vendredi prochain, on va ouvrir du Eevee Heroes en présence de David Lafarge Pokémon en Battle Opening. On va ouvrir du Reine de Glace, un display complet, évidemment, de Reine de Glace. Il est là, il est scellé, il est incroyable, il est beau. Il est beau, mon Dieu. Et on va ouvrir la toute nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Avec, je l'espère, Zulu ou et Doc Seven qui seront avec nous pour nous accompagner. Donc ça sera vendredi. Vendredi, on sera le combien là, on bordel sera le là 9. Vendredi 9 à partir de 19h sur la chaîne Twitch, twitch.tv/mrbboy45. On est en présence de Bytel. Ça va mon Bytel? Mais ça va très très bien, très heureux de revenir évidemment pour des ouvertures en folie, messieurs. Bah toi t'es là tous les openings. Tu t'as vu l'upgrade? D'ailleurs j'espère amis de YouTube que vous voyez cet upgrade avec la caméra. Maintenant on fait les choses bien, on fait un local recording et tout, on fait les choses bien. Donc petit upgrade avec lumière, caméra bien placée et tout. C'est beau, c'est magnifique, vous êtes beau, vous êtes magnifique. On va ouvrir du style de combat, ça peut être flinguer sa mère cette vidéo. Désolé YouTube si vous allez perdre 20 minutes de votre désolé vie d'avance, hein. Parce que c'est du style de combat, ouais, mon... Mais on essaye. On va kiffer. Est-ce que le chat est on fire un peu là? Remettez des drapeaux, remettez des cœurs. Vous savez quoi? Non, le chat, mettez des câlins. Pour une fois que Twitch envoie des câlins à YouTube et vice versa. Et vous savez quoi, YouTube? Envoyez aussi des petits câlins à Twitch. Et puis venez aussi vendredi. Un peu d'amour entre plateformes, évidemment. Parce que nous, on est partout. On est sur toutes les plateformes. C'est le plaisir avant tout. On est parti. On va ouvrir quelques petits boosters. Et si vraiment on n'a rien. Mais si vraiment on n'a rien. Vous savez quoi? J'irai chercher dans ma cave. Voilà, non, je vous le dis. Dans le coffre fort. Voilà, on ira chercher dans la cave des petits trucs sympas pour pas être frustré, évidemment. Comme d'habitude, prenez tous les codes qu'on vous offre, ça c'est cadeau. Et c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau, évidemment. Ah, on va pas faire. Alors, on va pas faire du 4-2. Pourquoi? Parce qu'en fait, même avec les gants, on commence maintenant, on a l'habitude, on commence à sentir quand il y a du full holo. Donc il y a 11 cartes, et ben c'est parti. Allez, énergie, forcément ça sera toujours l'énergie maintenant qui va se trouver au-dessus. Scalproie. Donc c'est alors Reine de Glace, c'est pas évident. Énergie dresseur, voilà, ça c'est les classiques. Oh, le petit kit de camping, on qui est met sur bien. 3. Oh, le kit de camping, mon gars, hop. Ça, frérot, tu ramènes ta boîte de conserve, t'es repeint. Gripat. Gripat. Ah, mais c'est. Moi, j'aime bien les trucs en comme ça. En pâte à modeler. T'aimes bien la pâte à modeler en vrai? Ouais, moi j'aime bien. Celui-là, il en pense quoi, le chat de la pâte à modeler là en vrai? Il en pense quoi? Balbuto. Alors, ils avaient fait pâte à modeler et ils avaient fait aussi en ficelle. En laine. En ficelle de laine. Et je sais pas lequel est. Je préfère la laine. Je trouvais ça mignon. Ça me faisait rappeler un peu Yoshi Woolly World. Je sais pas si tu vois. Ah, bah bien sûr. Je trouvais ça très 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 sympa. Trop sous-côté, pas trop. C'est totalement mignon. Sous-côté. Intéressant. Moi, je sais pas, il y a ce petit truc. Après, on va pas se mentir qu'on est plus là pour les belles illustrations qu'ils font ou des trucs comme ça, tu vois. Je suis assez d'accord là-dessus, mais laissez la chance aussi à 2-3 cartes en pâte à modeler, il y a des trucs vraiment beaux en vrai, vraiment bien fait. Non, franchement, oui, il y a vraiment des trucs carrés. Je reset le chat depuis tout à l'heure, donc excusez-moi si vous le voyez disparaître sur YouTube. Et Crapince, évidemment, un frère. Regarde comment il est mignon, dirait Loulou, mon ref. Non mais on dirait j'ai acheté un coffret à 70€. On est parti les gars, Cacnea, évidemment. Donc juste en dessous,
Nous avons, je crois voir un truc, Alfouille. Je crois voir un truc, mais c'est pas ça, parce que c'est une reverse, évidemment. Cacturne, bah l'évolution, bah, voilà, ça enchaîne la famille, c'est ça bien. Enchaîne la famille. Bah, ouais. Bon, les amis, bah, je peut-être je me trompe, peut-être on se trompe. Très vital. Un petit peu. Non, 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 enlève pas d'un coup, juste un petit check. Non, non, un petit check, vas-y. Non. Non, Dolman, un frère, non, montre à quel point il est vraiment, il est vraiment flingué parce que les gars, sa tête de fils de pute, tu sens qu'il te nique tes soirées, le man. Tu gros, sens personne ne l'aime dans le jeu, personne ne joue. Tu sens qu'il te, bousille. Ouais, je te jure. Il te bousille les soirées. C'est vraiment le mec que t'attends pas en fait soirée, tu vois. C'est le mec que t'attends pas. Tiens, bah vas-y, ouvre devant comme ça. Hop, ça c'est brûlé, c'est direct à la poubelle. Hein. J'en ai rien à péter. Non. Hop, voilà. Allume comment ton feu avec des cartes Pokémon à chier. Hop, ça c'est fait. Voilà. Allez, il est où Dolman? Il est là. Donc on est parti les gars, deuxième booster. Ah, style de combat, ça fait très mal hein. Style de quand tout alors, si vous avez repris vos collections et que vous ouvrez du style de combat, arrêtez. Mais vraiment, avoir l'habitude de se faire détruire le fiac hein. Ça va juste vous dégoûter les refs. Ça va littéralement juste vous dégoûter. Energio ! Energio, elle est jolie de ouf. Hein. Ouais, par contre, l'Energio, l'Energio et feu, incroyable. Hein. J'aimerais vraiment les avoir en gold. Hein. De ouais, non, mais je comprends. En gold, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Mais toi aussi, t'es magnifique. Et ça, faut le savoir. Merci, mon Sony Waggler. Merci pour le 21ème mois. Alors, du lourd, on vient de commencer, mon frérot. Merci, Rip aussi, pour ton 9ème mois. Merci, Sac, pour le 12ème mois. Évidemment, merci. Plaisir. Donc, oubliez pas, vendredi 9 juillet, David Lafarge Pokémon. Zulu, Doc Seven, on va ouvrir toute nouvelle extension Yu-Gi-Oh! On va essayer de chercher les toutes nouvelles cartes. Vous allez voir, il y a une nouvelle norme entre guillemets qui va sortir uniquement pour cette extension. Ensuite, on va ouvrir du Eevee Rose avec David Lafarge et ensuite Reine de Glace français juste entre nous. Voilà pour finir la soirée. Donc c'est parti, ouvrifié. Moi ce qui me fait rire, c'est les mecs qui ont dû trouver les noms, tu vois. Oui. Ouais, c'est quoi ça? C'est une termite, ok. D'Ivoire, il est où Gaëtan qui a un cheveu sur la langue? Ouais, c'est quoi ça? Une fermite. Allez, fermite, c'est parti, on est noté, les gars. Non, mais c'est trouver les noms, frère, attention, hein. Archéomir, évidemment. Mignon, ce Pokémon. Et il a une évolution éclatée, ce fils de pute. Frère, un petit cactus, évidemment, Cacnea. On l'a déjà eu juste avant. D'ailleurs, il y a combien de cartes? 163. Ouais, 163. Ça, c'est une extension gourmande aussi, hein, en plus. Hein, avec un drop misérable. C'est les trucs classiques. Et avec ce point, il est trop mignon. Ouais. Mais 183 au total. Mais non, mais l'artwork est dingue, frère. Ah, il est magnifique, l'artwork. J'ai bien zoomé, là. Ouais, pile poil. Hein. Mais l'artwork est dingue, gros, Spoink. En fait, c'est un petit cochon sur ressort. Bah oui, tout mignon. Mais oui, un petit loulou avec un petit ballon au-dessus de la tête et tout. Non, mais voilà, c'est ça, lui, c'est vraiment loulou, tu vois. Oh non, il y a aussi le... Non, il y a beaucoup de loulous en Pokémon. Hein. Charby, évidemment, il ressemble à rien, hein, ça fait plaisir. On est sur de la... Non, on y est bientôt, c'est... vas-y. On y est bientôt. Oh, très Viscuse. Mignon. Viscuse, hein. C'est un mélange de... C'est une méduse visqueuse. Ouais, c'est bizarre, c'est une méduse avec le petit truc des années des années 1600, ça fait plaisir. Je sais plus comment ça s'appelle ce qu'on a autour du cou là. Oh. Une collerette. Une collerette. Non, ouais. Ah oui. si, une collerette. Ou alors une fraise. Je préfère fraise. Collerette, j'aime pas. Tu vois, je préfère fraise. Très mignon, reverse, c'est Riflor, bon. Une reverse, mais c'est parce qu'on attend. Elle est, en vrai, elle est bien, en vrai, elle est. Oui, elle est mignonne, allez, ça dégage. Reverse, c'est sympa. Oh, bah c'est rien, bah voilà, tout mais simplement. Je connais, non, mais ça. C'est énorme. Oh ça là là là. Un clébard, on a un clébard avec une stache mou, frérot. C'est pas un clébard, mec. Mais on sait pas ce que c'est. Mec, c'est un dragon. Bah un dragon clébard. Non, mais c'est un dragon kleps. C'est, il a été. C'est un chihuahua qui a baisé un dragon, mon ref. C'est on l'attend pas celle-là. C'est on gros pas. Ça tu vois gros, c'est déchiré. Genre. Non mais ça c'est brûlé. Ça rejoint le premier booster. C'est terrible. C'est terminé, terrible. Ça c'est à la poubelle. Mais oui, c'est terrible. Et pour les collectionneurs, c'est terrible. C'est terrible. Ah elle est belle aussi celle-là. Oui. Alors c'est, alors que Reine de Glace, c'est obscur ça. C'est celle de Noctali. C'est celle de Noctali, tout à fait.
Énergie ténèbres. Ah, il est mignon lui. Allez. Mi champignon, mi dôme. Ouais, 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 ça dégage. Oh putain, c'est vraiment. Mon dôme, elle est vraiment affreuse. Je suis désolé. Voilà, avec ses gros tétons. Un des loulous, gros tichon. Gros tichon. Elle fouille. Bah quoi? Mais non, mais frérot, bah, pourquoi ils lui ont fait des tétons comme ça, mon ref? Mais bon, j'en sais rien. Dans les commentaires, dites-nous. Ouais, dans les commentaires, dites-nous. Regardez la taille du mamelon, les gars. Non, mais attends, il a les mains dessus hein, aussi. Hein. Normalement, c'est des petites flammes, hein, frérot. Hein. Ouais, bon, enfin, on n'a pas vu les tétons en feu. Il a les tétons on fire. Voilà. C'est pas supportable. Allez, gros nichon, c'est pas ouf. Morpeko, évidemment, oui, Morpeko. On a un truc par rapport à Morpeko, on a l'histoire de Morpeko ou autre, parce que je trouve étrangement qu'il ressemble énormément à Pikachu, ouais, en mode. C'est le Wario de Pikachu, tu vois, ou pas ce que je veux dire. C'est un peu ça. Ouais, non, mais on dirait, hein. Et est-ce qu'on a une histoire? Est-ce que dans l'anime, ils en parlent de Morpeko? Non, j'ai pas regardé, je t'avoue, j'ai pas regardé l'anime depuis le refund qu'ils ont. Enfin, depuis le reforge, qui est absolument dégueulasse et que je conchis dessus. Morpeko, c'est quelle génération? Oui, putain, c'est vrai que le Sacha, ils vont chier. C'est la dernière, c'est la 8ème. Donc, épée bouclier. C'est épée bouclier, ouais, c'est ça. Donc, si quelqu'un a l'histoire autour de Morpeko, parce que ça m'intrigue, on dirait réellement le Wario de Pikachu, quoi. En même temps, tu sais, j'ai envie de te dire, chaque génération a plus ou moins son Pikachu, en fait. Hein, donc, Ouais, non, c'est ça. Hein. Voilà, quoi. Pokémon. Quoi? Il est mort? Quoi? Morpeko, il est censé être mort? Mais non, ça, c'est. Ça, c'est l'autre, là, comment il s'appelle? Bah, Spectrum et tout. Mais non, c'est pas ça. Il y en a un, tu sais, c'est Mimiki qui est un Pokémon mort. Qui est dans une ah celui c'est dans pas une ce poupée, dans une poupée ouais Pikachu, le oui le Pikachu du Blade qui est en train de canner ouais c'est ça. Et ça c'est un Pokémon mort et ça, on sait à quoi il ressemble ouais. Bah non alors non mais coup, en sous non et pourquoi il imite Pikachu parce que il a trouvé cette peluche là il s'est mis dedans et du coup il voulait imiter un Pokémon mignon. D'accord. Et ouais, ça se trouve. C'est assez affreux, ouais. Okay. Oh bah tu sais, je pense que première génération, Osley qui a la tête de sa mère morte sur le crâne. Oh bon, après j'ai envie de te dire gros, je sais pas si t'as déjà lu les mangas Pokémon frère, mais ça découpait des Arbok au katana, enfin genre ils en ont rien à foutre. Bien sûr que frérot, avant d'aller à l'école, c'était obligé. C'était terrible. Pachirisu, il est trop mignon, mais ouais, c'est vrai qu'il est très très mignon. Ça c'est le Pikachu de la 4ème génération par exemple. Et l'artwork est incroyable aussi. Pachirisu c'est une petite une vraie mascotte de la 4G pour le coup. Monorpal. Hippotrump, le frère évidemment. Cet artwork qu'il est fou par contre. J'ai toujours trouvé très mignon. Et c'est vrai que l'artwork est assez ouf en vrai. Magnifique cet artwork. L'artwork est quand même assez incroyable. Et la qualité. Je suis désolé, mais je me branle sur ma qualité en fait là les gars. Ah mais je te dis, là mec c'est tellement mieux. Ouais, mais les gars, on a Loulou en reverse, les refs. Putain, sérieusement. Et Loulou en reverse, ça fait Loulou. Non mais. Loulou en reverse, frère. Oh là 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 là. Ah non, là j'ai confiance les gars. Ah ouais? Mais je sais pas. Vas-y, fais-nous rêver hein, Alfouille hein. Dis pas des trucs comme ça pour. Allez, que ce soit enlève. Oh putain. Non, c'est honteux. Mais non, mais voilà, Alfouille, tu nous hype gros. C'est honteux. Ça va être énorme, mais puis au final c'est. Mais non, mais style de combat, c'est une honte les gars. Sérieux, ça casse les couilles. C'est booster les gars. C'est une honte les gars, 3 boosters, c'est 20 balles presque. Donc, commencez la prédiction évidemment. Hop, voilà. Donc, va-t-on avoir une full art en... Je rappelle que c'est les 4 boosters, dont celui qui est dans la main actuellement. Donc, oui, non. On en part vrai, sur mais pas une full minute. Art, mais une ultra rare plutôt. Holo n'est pas compté comme. Les gars, Holo, c'est pas une ultra rare. Comme, hein, jamais, hein. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce Holo qu'on va avoir une ultra rare, Effectivement. Okay. Oui, c'est vrai qu'en plus, avec le full art, les gens confondent très souvent. Oui, c'est pour ça. Non, ultra rare, effectivement. Considérez que c'est une ultra rare, vous avez une minute, évidemment. Balbuto, on l'a tout à l'heure. Tu vois, le problème aussi de style de combat, c'est qu'il y a énormément de cartes. Comme Reine de Glace, sauf que Reine de Glace régale plus Reine en de fait. Reine de Glace, il y a énormément de ultra rares au global. C'est insane. Mais c'est ça, ça régale quand même un peu plus. Merci Coco la Boulange pour le 38ème mois, frérot. Voilà. Un frère. Je trouve pas fou non plus là pour le coup l'artwork. Je trouve pas fou non plus. Oh mignon. Nosferapti et juste en dessous, c'est soit une rare, enfin une ultra rare pour le coup, soit la reverse. Et c'est le retour, mignon, le retour d'Hélène. Ouais, il est très mignon. Mais moi, j'adore l'Hélène. La pâte à modeler, je suis pas très fan. Après, il y avait la 3D aussi qui avait été faite pendant un moment. Moi, j'y crois pas. Merci Voldemort pour le 12e mois, vas-y. Ouais, bon, une reverse, voilà. Eh bien, le chiffre est sans appel. Hein. On a 60 ultra rares secrètes au total sur style de combat et on en a
Donc 21 de plus sur Reine de Glace. Ce qui est énorme en vrai, hein. 20 de plus c'est... Bah ouais, ouais, ouais. C'est surtout voilà. Que... voilà, vous avez juste la raison pourquoi, pourquoi il faut pas acheter du style de combat, oh mais du Reine de Glace. Oh, voilà. Oh mais c'est même pas de Lolo, mais ça rend ouf. On se fait chier dessus. En piflor, bon la foire qui est beau. Ah là c'est un vrai shaft pour l'instant. Non là, mais c'est, là c'est les gars en 4 boosters, c'est pitoyable. Hein. C'est... Je suis désolé mais style de combat, ne refaites plus jamais ça Pokémon Company. Hein. C'est une honte. Hein. C'est une honte. Hein. Allez, il reste 3 boosters. Est-ce qu'on va avoir une ultra rare en 3 boosters? Et si on a rien en 10 boosters, là on est proche de la honte. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, c'est... Rien en 10 boosters? Ça commence à être un très joli caca sur le nez, on va pas se mentir. Non mais surtout, ça fait deux vendredis de suite. Où on c'est un Colombin chantilly sur le front, les gars. C'est, hein, voilà, c'est ça, c'est vraiment un Colombin sur la gueule, quoi. Genre. C'est... T'as juste pas envie de vivre ça, quoi. Ça fait une licorne, hein, mon ref. Hein. Allez, énergie, feuille. Ouais, tu vois, hypotrempe en reverse, je la prends. Hein. Genre, vraiment... Ah oui, 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 oui. Ou une... Ouais, j'allais dire une holo, mais j'y crois même plus. Même une simple holo. J'aurais dû faire la prédiction pour une holo, mon ref. Est-ce qu'on va voir une holo? Non, mais limite, hein. Non, mais vraiment, hein, c'est incroyable. Bon, on l'a déjà eu, évidemment. Donc, c'était Chaffreux, Monorpal. On l'a déjà eu aussi. Ouais, voilà, Balbuto. Oh, ça régale. Electek. Oh, Electek. Electek stylé. Oh, elle est stylée de ouf. Elle est stylée de ouf en mode énervé comme ça. Scorplane. Un scorpion qui plane. Electek, ça me termine. Ouais, c'est en pâte à moller là, non? Oui. En pâte à moller, ouais. Tritox. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont vraiment modelé en pâte à modeler? Pour avoir pris la photo dans la nature. Ouais, je pense, en vrai, il y a moyen. Hein. Ce serait... En vrai, je serais pas la étonné. River, après, Scorplane. Potentiellement aussi juste de la 3D, on va pas se mentir. Oui. Moi, je dirais plus. J'ai l'impression. Vas-y. Non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, une holo, ouais. Ouais. Oh la gueule qu'il a. En plus, Tokotoro, quoi. Ah, il est dégueulasse. C'est Tokotoro. Eh, je ressemble à ça, je me fous en l'air. Eh, gros, vraiment, il est. Non, mais c'est... Dans les Toko, il y en a des qui sont très beaux. Mais par contre, celui-là, mais il est éclaté, gros. Ses frères, on dirait un meuble Ikea, ça me termine. 2 boosters pour une ultra rare pour la prédiction, les potes. Ça. Oh là là. Boostiflore. Boostiflore, frère. Grosse gueule. C'est Loulou quand il voit une langue de bœuf, gros. Ah, gros, mais en vrai, ce Pokémon, je l'adore. Bah, Loulou, bah tiens, on parlait de lui d'ailleurs. Les crapins, c'est la base. On a la première génération en même temps, quel bonheur. Moi, je trouve. Beaucoup disent que c'est flingué. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la première génération parce qu'elle est trop classique. Bah, Fukano déteste la première génération. Moi, la première et la deuxième, c'est mes meilleurs pour moi, réellement. Et après, peut-être aussi que j'ai connu Pokémon avec ça. J'ai eu la chance. Ouais. Là où, bon, Fukano n'aime pas, mais bon, Fukano, il est mignon, il était pas né en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi, tu vois, l'effet un peu. Mais moi, la première génération, je la trouve phénoménale. Hein. Il a qu'une dent, il me fume. Une dent, mais elle est balèze. Elle est balèze, c'est un triangle. Hein. Attention, hein, il doit se mordre la lèvre très souvent. Hein. On va en parler de lui tout à l'heure. Et ben voilà, on parlait de lui, et on a eu Ossature tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Osselet, Ossature, c'est souvent des artworks bien réussis, je trouve. Cornèbre. Ouais, Corneille, hein, le fameux chanteur. Voilà. Cornèbre, en vrai, t'as l'artoir qui est beau, hein. Putain. Gruikui. Putain, je crois qu'il y a rien. Gruikui. Je crois qu'il y a rien. Gruikui. Ah, mais c'est la pré-évolution. C'est la pré-évolution de Grotichon, justement. Voilà, c'est ça. Mais qui était d'ailleurs aujourd'hui en journée communauté sur Pokémon Go et je l'ai eu en Shiny. Voilà. Oh, il est tellement mieux quand il évolue pas, ce connard. Bah, Rotiflame est stylé en vrai. Oh là 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 là. La fameuse. La reverse. Mais là. Mais hey, en vrai, dans ce style de combat, c'est impossible d'avoir 2 ultra rares à la suite comme la plupart des ça extensions. Me complexe, ouais, ça me paraît t'en as déjà eu avez... Les potes qui ont vert du moi. Style du combat, le chat ou dans les commentaires YouTube, vous avez déjà eu 2. Non, les gars, c'est bon. J'ai envie d'exploser mon crâne là. Oh putain, non, mais ouais, c'est un gado aussi. Il est mignon, mais les gars, putain, en holo au moins. Oh là là. En plus l'artwork est vraiment joli. Les gars, mais... dernier booster avant la fin de prédiction. Non, c'est pas possible. Là c'est la sueur hein, mon pote. Hein. Non mais gros, c'est pas possible vraiment. Quand tu ouvres 10 là on a ouvert en tout 6 boosters. Quand tu ouvres 6 boosters comme ça, tu commences à croire que tout le monde a pesé les boosters, vraiment hein. Non mais t'es obligé de rentrer dans une parano en mode non mais le vendeur il a forcément bien sûr, pesé ou autre. Bien sûr. C'est obligé les gars. Bon après c'est normal hein, qu'on commence à avoir des doubles, mais c'est quand même terrible les gars en vrai, non? Rouleau tourbillon. Bon bah là les gars, c'est le dernier booster pour savoir si oui ou non Cacture, si oui ou non
Bah, vous allez gagner votre prédiction. Hein. Terrible, Miss terrible. Dieu. Je suis désolé pour ceux qui ont mis oui, mais vous êtes dans une mauvaise situation. Voilà, si je puis me permettre. Monsieur Mime de Galar. Oh, Spoink, toujours aussi mignon. Spoink, très mignon. Ouais, ouais. Wink. L'épidonie, là, avec ça, Chico, il y en a qu'un. Toujours aussi mignon aussi. Oh, Voltoutou. Ah, Voltoutou, il me régale en vrai, il est trop marrant. Regarde la tête qu'il a. Mais tu, comment ils s'appellent ces chiens-là? Tu sais, les petits tout bas là, tout bas un peu plus long. Ouais, on dirait des saucisses. Ah, voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à bah, fait. Des corgis, ouais, c'est ça. Et tesquels? Ah, les tesquels? Non, moi, je dirais plus des corgis, moi, non? Pour moi, il ressemble plus à un corgi, mais. Ouais. Pour moi, il ressemble à un corgi aussi. Ouais, ouais. Moi aussi. Ouais, il ressemble à un corgi. Bon, là, c'est la fin? Je crois, ouais. Bah, il y a Lolo et. Enfin, il y a le. Oh, le chat, je suis désolé pour. Pourquoi il est beau? Je suis désolé à tous ceux. Attends, attends. Oh, ouais. Elle est jolie, ouais, en vrai. Ouais, hein. Frison, elle est très, très propre, hein, par contre. Hein. Attends, 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 parce que avant de voir la prédiction. Vas-y. On est quand même. On est quand même. On est. Et 46% de oui, quand même. On est vraiment des giga victimes. Hein. On est quand même au stade où on est heureux de voir des beaux artworks, quoi. Enfin, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est genre, on est les pires victimes de la planète. La ouais, ouais, ouais. Mais bon, en reverse. Non, non, non. Oh, je vais enlever d'un coup. Mais bah, bon, là, on a vu. Là, c'est trop tard. Ouais, vas-y, enlève d'un coup. Et c'est terminé. Enlève d'un coup. Oh. Oh là 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 là. Bon, ouais, Hippo Roi. On a tout le, on a tout l'attirail. On a toute la famille. Hippo Tramp, Hippo Océan et Hippo Roi. En holo, bon, ça fait plaisir. Elle est pas dégueu. Allez, c'est terminé. Elle est énervée. C'est terminado, les potes. Il reste 3 boosters. Désolé pour tous ceux. Rien à foutre des rivers. Bien joué la team, non. Ça finira dans un classeur. On l'avait dit, hein, on l'avait dit qu'il fallait voter non. Hein. Colomar. Et gros, je te jure que. On a eu l'évolution de Loulou. Limite à ce niveau-là, gros, je préfère aller au Japon et jouer à Fate Grand Order Online. Non, je déconne même pas. Frère, hein, c'est... Ah bah moi, dans Fate, j'en ai mis de la thune, mais j'ai jamais été déçu. Hein. Merci Valista pour le 27e mois. T'es jamais et déçu. Et Sébastien quoi, pour le 51e mois. Et merci aussi l'architecte pour le 13e mois. Excusez-moi. On l'a vu tout à l'heure en pâte à modeler. Donc, oubliez pas que vendredi, on ouvre du Eevee Heroes avec. Vendredi 9 juillet sur Twitch à 19h. On ouvre du Eevee Heroes avec David Lafarge. On va normalement. Je vais essayer d'avoir Zulu ou et Doc Seven pour ouvrir la toute nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! La Cour du Roi. Et ensuite, on ouvrira un display français de Reine de Glace tout seul ou avec Bytel s'il est là et qui nous a rejoint soit sur TS ou en vrai, on verra. Mais en tout cas, vendredi 19h, le 9, programme très chargé. On va se retrouver une bonne partie de la nuit tous ensemble. On va rigoler et on va taper des barres aussi. Et Kung Fuing qui est vraiment, je trouve, pas mal. Petite dédicace à Vandamme, cool, ouais. Évidemment. Elle est vraiment cool. Ah, là, tiens, il est sympa, cool. Ouais, j'aime bien. Ouais, il est revenu. Bah, en même temps, il est cool. Voltoutou, ça me gêne pas de le voir, tu vois. Il y a des Pokémon, tu sais, tu les vois. T'en peux plus. Aspico, ouais. Aspico et tout, t'en peux plus, tu vois. T'es en mode, les gars, non, c'est chiant. Mais, gros, Aspico aussi. Mais là, oh, on l'a pas eu, Chaglam, depuis le début. Bah, Chaglam qui évolue en Chaffreux. Ouais, Chaffreux, on l'a eu tout à l'heure. Et Chaffreux, on l'a eu tout à l'heure. Chaffreux, ouais, il est dégueulasse, genre, c'est le pire glowdown ever. Genre, Reverse, oh ouais. Oh là, Dentycris. Il y a la daronne à Loulou, putain. Oh sérieux. Non, mais Dentycris, mais il est immonde ce Pokémon. Ouais, là où il est comment? D'un coup. Un tout petit peu parce que c'est pas le dernier. Oh, il y a un truc. Allez, Beetle, il y a un truc. La prédiction est déjà validée. Oh là là, une full art. Allez. Va-t-il y avoir une full art? C'est un oui. Enlève pas. Enlève hop, pas. Pas plus haut que ça, mon petit. GG et on est reparti pour un sondage de 1 minute c'est pour une tout rainbow, à l'heure. Mais c'est une rainbow, les frères. Quoi? C'est une rainbow. T'es sûr? Attends, remonte quasiment un tout petit peu de suite. Encore un tout petit peu de suite. Encore un tout petit peu de suite. C'est une rainbow. Ouais, attends, il y a quoi d'autre? Sinon, c'est des dresseurs, c'est quoi? Sinon, c'est des dresseurs, ouais. Mais je merde. Pense pas que ce soit des dresseurs, en vrai, mais. Ok. Attends. Tu sais quoi? Vas-y, attends. Remonte un tout petit peu encore. Hop, pas plus haut. Pas plus haut. Ah n'abusons non, pas des bonnes choses. Je pense que c'est une dresseur, du coup. Ouais, enlève d'un coup. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, c'est une dresseur et c'est Sarah. Et mais donc, bon. Du coup, c'était pas une rainbow par contre, pas du tout. C'est pas une rainbow, ouais. C'est juste une dresseur full art, mais c'est après, vrai, pas jolie, dégueu. Putain, oui, elle est jolie en vrai. Elle est jolie. Les gars. Elle est jolie et puis avec le nouveau setup, soyons fiers de ce qu'on a, les gars. Parce que vraiment, je vous dis que même Sarah, on l'aime. On mais l'aime oui. Là. Non, les gars, on a une full art. En vrai, pour le coup, elle est magnifique. Ouais, elle est stylée. Sois pas désolé, Pitel. Elle est juste magnifique. Un peu plus rare. Mais ça se tente.
charmante. Elle est très belle, Sarah. Ouais. On embrasse toutes les Sarah qui nous regardent, évidemment. Bon, bah, je suis. Alors, je suis rassuré. J'ai envie de chialer, mais je reste rassuré. On fait pas t'as un Florizarre des 25 ans. Ah oui. Et le Florizarre, il est juste magnifique. C'est celui du set de base. Avec des dorures et tout autour. Il est insane. Incroyable. Incroyable, et ça sera dans des boosters. Quand t'achètes 4 boosters dans les Pokémon Center, t'as un booster gratuit comme ça. Ouais. Donc, moi, de toute façon, je pense que je serai direct au Japon à cette période. Hein. Là, à mon avis, les frontières en octobre. Hein. Bien sûr, mon pote. Hein. Okay. Crois-moi que je suis la salope qui va bien attendre devant le Pokémon Center et qui va sortir tout ce qu'il peut. Hein. Bon, j'ai rien à dire. Tu es sur PayPal, gros, tu vas me récupérer 23 trucs là. Et puis Viscus. Ah, ça va swinguer, mon ref. Hein. Oh, on l'a pas eu. Bon, je l'ai déjà, mais on l'a pas eu. Tu sais que j'ai un emote avec ce Pokémon. Psystigris. Ah ouais ? Trop mignon. Elle est très mignonne en tout cas, j'aime beaucoup l'artwork. Là, pour le coup, l'artwork est très sympa. Pourquoi ? Si vous avez la même coupe de cheveux. Regarde. Bah non, mais c'est pas méchant. Ah bah voilà, garde. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il a un peu ta coupe de cheveux, Pistigri. Oui, bah en même temps, je mets de la dynamite dans mes vœux, je peux me coiffer, donc. Bon, la petite river. Tu dors sur de la dynamite. Et exactement. C'est ton réveil, c'est ton réveil. Ah putain, merde, faut que je me réveille. Malamandre. Allez, on y croit, les gars, on y croit. On a goûté au bonheur une fois. Aïe, oh là là, mais c'est pas vrai. Tu peux pas mettre Flagado sans rare. Alors que. Putain, les gars, il reste un booster. J'espère que la prédiction, ça va aller dans votre sens. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà. Vendredi, maintenant les vendredis opening, on les fait à 19h parce qu'on a compris qu'à 16h, vous n'étiez pas trop là, que ce soit le vendredi ou samedi. Donc, maintenant, ça sera. On récupère les openings. Bah, tu sais, le premier opening qu'on avait fait là. Où c'était un succès monumental. Oh, c'était mec, à 19h. Hein. Donc, on avait ouvert le premier display non, là. Pas le premier. C'était 18h qu'on a lancé. On a commencé à ouvrir à 19h. Ouais, mais je. C'est un char d'assaut en pierre. Hein, c'est... Excellent. Tu l'as déjà vu l'évolution max de ce Pokémon là? Non, c'est quoi? C'est un avion de la Seconde Guerre? Non, c'est juste un énorme tas de charbon sur deux pattes. Il s'appelle Montracite. Tu pourras aller checker sur. Mais après, au bout d'un moment, ils savent tellement plus quoi faire. Le mec, il sort, il voit une crotte qui ressemble à peu près à quelque chose. Il fait allez hop, c'est bon, un Pokémon, tu vois. Faire un petit en laine. Oh, j'ai les cartes rares et là sous les yeux. Vous allez chialer pour nous. Vous allez chialer pour nous vraiment. La prier. Oh, Onyx qui dort. Il est tellement stylé. Il est énervé. Tu sais, il fait un peu un regard beau gosse, tu vois ou pas? Il dort mais il guette. Il dort, ouais. Il guette comme David. Hein. C'est ça. Misdibule qu'on a eu tout à l'heure. On l'a eu aussi. Et là on est sur la rivière. On est sur la rivière. Star Tour, what the fuck? De Onyx? Non, de Misdibule. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Bah lui, ah ça bon, fait très animé. Bah Dressor, bah vas-y, hein, parce que de toute façon, t'as spoil, c'est pas... Ah là, tu une peux petite aller, reverse, hein. Elle est sympa, évidemment. Gros rêve. Non, elle est dégueulasse. Hein? Non, mais ouais, non, elle est flingue, ouais, j'avoue, c'est flingue, elle est dégueulasse. J'aurais les affreuses, arrêtez. Et les câbles. Et l'évolution, qui est très énervée aussi, hein, par contre. Très, très, très énervée. Très, 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 très belle. Très énervée et assez sympa, ça dégage. Allez, voici les trois cartes intéressantes qu'on a eues de style de combat. Attention, vous êtes prêts? Ça va en étonner plus d'un, c'est maintenant. Bam! Trois cartes. Voilà. Dont deux holos. La dépression, mec. Voilà, 10 boosters style de combat. Très, très dur. Très, très dur. Ça fait mal. La dépression. Ça, ah ouais, vraiment. Ça fait mal. Donc, on s'est trois fait chier cartes dessus, là, hein. De style de combat. Les trois qu'on a eu, seulement deux holos et une full art dresseur. Et c'est même pas heureusement que Sarah est là, hein, parce que putain, mon gars. Mais heureusement, Sarah est là parce que les gars, je finis ça en dépression jusqu'au vendredi prochain. Vendredi prochain, je vous le rappelle, non seulement vous pourrez avoir le charme si vous souhaitez, seulement 10 places, mais surtout, très grosse soirée à partir de 19h. Du Zulu Dog 7. Alors je vais pas les vendre parce que ils sont pas encore dit oui, donc je vais pas les vendre avant leur réponse, mais peut-être du Zulu, du Dog 7, on va ouvrir du King's Court, toute nouvelle extension de Yu-Gi-Oh!, du David Lafarge Pokémon pour du Eevee Heroes, évidemment, l'extension qui fait fureur au Japon, qu'on n'aura jamais sous cette forme en France, donc entièrement consacrée à Evoli et toutes ses inclinaisons. Donc du Eevee Heroes avec David Lafarge, un display complet, ensuite un display complet Reine de Glace FR,
vendredi 19h, le 9 juillet, marquez ça dans vos Pokébox ou Pokédex, et puis on va se régaler. On espère, tiens, mets les 3 juste au-dessus, voilà, hop, je vais dézoomer comme ça, tu mets... Voilà, donc on espère que même si le butin est pauvre, on va pas se mentir, on espère quand même que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé et c'était une manière de tester aussi le nouveau setup, installation. Donc, très bien, n'hésitez pas sur YouTube à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi sur Twitch à nous dire un peu ce que vous pensez de cette nouvelle prise de vue. Tu kiffes, toi? C'est validé, mon Bytel? C'est complètement validé, mon frère. C'est complètement validé, ça fait plaisir. Si vous avez des idées pour encore améliorer, pourquoi pas, le setup avec une prise de vue ou autre un peu inédite ou un truc que vous n'auriez pas ou vu. Ou un tapis spécial. Ou heureusement que le setup rattrape les cartes obtenues. Merci, ça fait plaisir. C'est quali, toujours un plaisir. Ça fait grave plaisir, les gars, vos petits messages. En vrai, ça a sauvé mon samedi après-midi, ce petit live. Tant mieux. Eh ben, ça si, rigole, t'avais ouais, si t'avais un samedi après-midi qui cool, allait ouais. être très compliqué. Merci à tous, je YouTube. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À très bientôt. Bisous. YouTube, bisous. See ya.